Tu le vois? Il est où? Il est juste en face de moi. Bugué. Ah ouais? Il est bugué. Je vais le tuer? Ouais. Ah, il est plus bugué. Vas-y, viens. Viens, mon salaud. Ah! Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur une nouvelle... création? Mais je propose qu'on termine la cabane là-bas. Quelle cabane? J'avais pas fait une construction? Non, vous les aviez terminé avec Anto. Et ben... Là, moi je te dis, faut faire un agrandissement ici. Je pense qu'il faudra qu'on mette encore plus de bacs à tortue, tu sais. Alors, c'est vrai qu'il pleut pas des masses, mais quand il pleut, au moins, on est bien. Là? Ouais. Comment faire un truc, tu vois, qui monte. Eh... Écoute, eh... ça, c'est pas mal, hein. Alors attends, je vais en refaire une autre. Attends, je vais recouper du petit bois. Tu vas recouper du bois? Du bois, ouais. Ok. Comment? Oula. C'est toi qui a pété les... Un arbre, oui. Non, c'est rien, j'ai pris peur, c'est tout. N'est pas le soir. Encore. N'est pas le soir. Peur que ça tardera pas. On va voir les indigènes. Peu du bois. Tu comptes la faire en chanson toute la. Du petit bois. Oh la meuf lourde. Le petit bois c'est bien. Fermé. Oh j'ai entendu un gros bordel au loin. Faire des constructions. Oh j'ai de la viande si tu veux. Ah bah garde-la, ça peut. Non mais je veux dire que je peux pas prendre. Ah mince, ok, ça marche. Tu vois, de la petite cabane là, on pourrait faire un pont qui va à cet arbre là. Ah vas-y, oui, attends. Ouais mais ça irait du coup directement à l'extérieur. Et oui. On a déjà des cabanes à l'extérieur, donc d'un côté c'est un peu con. Donc je coupe. Continue de couper. J'aimerais bien qu'il tombe dans mon piège, moi, sans déconner les mecs. Petit bois. Oh non, ça... bois c'est trop bien. Oh ton coup de petit bois. Oh, il va te tomber dessus. Je me suis barré en courant. Youhou. Et je me pousse. Et là il tombe de l'autre côté. Les bûches elles font des trucs vraiment étranges. Hein. Je crois que la bûche elle m'a touché. T'as perdu de la vie. T'as perdu de la vie alors c'est que oui, effectivement elle t'a touché. J'ai pas fait attention, j'ai faim. Ah. Ah bah voilà. Il en manque combien? 3. Bah là j'en ai une. Je ramène la dernière. 2. T'as la dernière? Je la ramène. Elle a pris tout mon bois. Ah c'est bon, j'ai la dernière. Ah yes. Vas-y. On va aller de l'autre côté maintenant pour voir si ça marche. Ok, je peux peut-être essayer de... Yeah. Yes. 24. Voyons ce que j'ai fait. Yes, 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 yes. C'est qui le roi du bûcheron? C'est moi. Enfin, c'est toi aussi, je rigole. Moi, tu vas m'engueuler, oui. Attention, j'ai une hache dans les mains. Hier, t'avais dit que c'était la reine de la bûcheronne. Aujourd'hui, comme par hasard, je ne le suis plus. Niveau énergie, ça commence à être un petit peu la fin des haricots. Hein. Avant, il y avait un bug. Si tu faisais CTRL, tu sais, quand tu te mets à genoux, là. Oui. CTRL plus... oh mince, plus courir. En fait, ça comptait pas l'énergie. Elle était buggée. Du coup, tu cours à l'infini, sans jamais te fatiguer. Ah, pas mal bien. Pour fuir les indigènes. Ouais, c'était très bien. Bah, du coup, on les fuyait assez vite. Enfin, tu sais, on les fuyait sans jamais être fatigué, quoi. Ouais. Pas patoche. Alors que maintenant... paire de manches. Et quand la viande, elle est verte, enfin, quand elle est en train de passer... Ouais. Normalement, il faut pas que tu la manges, parce qu'en fait, si tu la manges, ça va réduire... ta santé, enfin je sais plus si c'est ta santé, je crois que tu vas avoir soif plus vite ou il y a des choses qui vont être beaucoup plus rapides. Attention. Quoi. En fait, je vais refaire encore un autre pilier après, tu vois. Mm-hmm. Je vais le refaire partir encore, je vais longer. T'en penses quoi? Je pense que t'as une idée derrière la tête. Pas trop dégueulasse. Voilà. Bambi! Non, reviens, Bambi! Non. Bambi! Je vais te foutre un coup de tronc! Je peux? Non. Et du bois. Tiens. Alors, t'es toujours aussi triste?
Non, t'as défoncé Bambi? Non. T'as dit ça, je crois que t'avais défoncé Bambi. Si, tu l'as tué. Oh, si tu vois une tête, c'est pas moi. Hein. Non, elle est tombée toute seule. Voilà, exactement. Puis j'ai dépecé tout seul aussi. Tu sais, c'est une méthode pour vider le chakra. Ah bon? Ouais. Alors en fait, faut que tu fasses quoi pour vider tes chakras? Bah, tu veux que je te coupe la tête? Non, c'est bon. Ça ira, tu les videras plus tard. Bim, bam, boum! Wow! Bravo, la déforestation! Eh ben là, on va faire du pont en 2-2, hein. Ah là, regarde-moi ça! Eh! Regarde-moi ça! Quel? On en refait encore un! Allez, on est lancé! Je vais essayer de le mettre là, celui-là. Dégage un peu. Forêt, Comment on vous dit? Vas-y, dégage ta forêt! Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu es vraiment en train de dégager la forêt! Non mais j'en ai juste fait deux. Puis les autres je vais les garder parce qu'ils commencent à faire nuit. Ouais, bon on se barre maintenant. Parce qu'il faut que je mange et tout. De toute façon j'ai plus d'énergie, je suis à sec. Bah je pense qu'on peut vite le... Ouais mais j'ai plus d'énergie, je suis à sec. Ah moi aussi merde. Eh je te jure les pontons qu'on entend... est beaucoup plus bas, merde. De quoi? Le deuxième. Est beaucoup plus bas par rapport aux autres. Tu as écrit? Comme un élan qui se faisait... À attaquer, on va dire. Oui, voilà. T'inquiète pas que s'il y en a un qui veut venir. Il y a mon piège, il l'attend au chaud. Crépite. Ouais, on dirait quelqu'un, on dirait qu'il y a un mec qui est en dessous de nous qui est en train de manger des chips. Oui. Eh oh, silence. Il y en a qui veulent dormir, d'accord. Si tu veux te faire bouffer, tu vas plus loin. Et tu fais moins de bruit, d'accord? Oh. Oui, c'est à toi que je cause, la biche. Va manger tes chips plus loin. Avec ton ami corbeau. Hé, hey, ta bûche en face qui bouge. Elle roule. En face. Ah non, je... Ah oui, avec le vent. Ouais, comme si un petit vent pouvait pousser une bûche de je sais pas combien de kilos. T'imagines, là, on voit les indigènes. Les indigènes avec le vent s'envoler. Passent devant notre base et qu'ils s'envolent dans la mer. Les mecs, accroche-toi! Accroche-toi, Bertrand! Je peux pas, il y a trop de vent! Ah, ça se lève. Ça y est, ça se lève. Regarde. Le ciel bleu. Bon, je récapitule. Oui, tutule. Jour 1, enfin nuit 1. Personne. Et là j'imagine 365 nuits plus tard, personne. Nuit 2, on verra. On va avoir le temps de construire toute une bûche et tout, c'est un truc de malade. Oh si, regarde. Wouah, 47 bûches là. 47 bûches, Lily. Mais, attends, je te ramène du bois. Je vais péter la dynamite. Je crois que je vais faire péter la dynamite. Oui, bah t'attends, je suis dans la forêt là. Dans la forêt de Blair Witch, tu te calmes. Hein. Oh non, j'ai plus rien, j'ai plus de dynamite. Ah si, j'ai de la dynamite. Ah non, c'est une flare. Fais péter. Mais non, c'est les flares. Ça sert à rien du tout. Regarde, c'est celle qui s'allume rouge, tu sais. Oula. Oula. Non, mais c'est les flares, c'est rien. C'est les... Ça ne peut pas péter. La meuf en panique. Tout le monde court. Et après ce pont. Ouais, il descend vachement le pont. Bah, après ce pont, ouais. J'irai voir notre base. L'autre. Enfin, notre base. Mais ça, c'est notre base principale, celle-là. Oui, mais du point de contrôle, voilà, le point de contrôle. On va l'appeler comme ça, point de contrôle. Dès que je t'ai aidé à finir le pont, je vais le voir. Oh, tu veux le voir? Je vais regarder s'ils ont posé des totems. Ah. Ou cassé les totems. Je l'ai fait tomber. Ouah. Heureusement qu'il avait pas fini d'être construit. Oui, j'ai eu peur, là. Alors là, bonne année. Hein. Alors votre pont, oh bah il a pété. Ah bah là, avec ce que je te fais tomber, ça va être bon. D'ailleurs, toi, il y en a plein de ponts encore. Oh, t'as été tombé. Quoi? J'ai eu peur, j'ai vu qu'il me tombait sur la tronche. Or 7. Ah, puis plus les bûches au fond qu'il y a par terre, là, c'est nickel. Ah non, c'est bon. T'as réussi? Oui. Nickel. Ouais. Oh, nickel. Oh, Lisa. Ah. Quoi?
T'as cru que c'était un indigène ? J'ai plus 10, je suis à deux doigts de mourir. Tu m'as tombé dessus, en plus. Ça va pas la tête ? Faire peur les gens comme ma ça. Santé. En fait, j'ai lâché le bout de bois, j'ai volé. J'étais au plafond. Je suis resté 1% de vie, sinon je crevais. Mais j'ai vu que t'es tombé sur moi. T'es malade, hein. Et où ça se soigne, hein. Comme ça, ils sont en sécurité, 23. Tu vois. Dans la forêt, mais hop, oh mince, il y a un piège. Oh, je ne l'avais pas vu. Là. Bonjour. Humeur. Alors, c'est vous qui venez chez moi, bonne indigène? Ça va? Vous embêtez pas trop les gens? Le matin, 6h du matin, et gueuler, là? T'as pas l'impression de faire chier? Il y aura ta femme de fermer sa gueule quand elle ramasse les baies. Elle commence vraiment à déranger, celle-là. Hein. Alors du bâton de dynamite, moi je te le dis après. Bon allez, vas-y, pousse-toi. Ça va péter. Bah attends, mets-le bien... bien au milieu. Centre, là où il y a bien des arbres. Bien où il y a... Oui, bien. Oui. J'en ai plus que deux. Bah garde-le, vas-y, fais péter. Hein. Tu peux les fabriquer, les bâtons de dynamite? Non. Faut les ramasser dans les valises. Et en chercher. Qu'est-ce que font les gens qui dévalisent dans la... Les avions tirés du crash de l'avion. La base de forêt, c'est suite à un crash d'avion que c'est parti comme ça. Oui, mais les voyageurs avec des bâtons de dynamite dans leur sac. Y'a qu'un seul qui est tombé, les boules. Ouais. Ah non, c'est... Tiens. Bon, merci beaucoup. Ouh. Ça marche. Il en faudra 51, ça va être de pire en pire. Non, si tu les fais de plus en plus loin... Bah ouais... Mais c'est fait exprès, tu vois pas que là je pars dans l'eau, ça y est, ça commence. Ah, tu veux vraiment descendre? Ouais. Sur les cailloux? Non, peut-être pas sur les cailloux, mais j'aimerais bien essayer de me foutre dans l'eau. Mais très très haut, tu vois. Des cris, des hurlements, ça y est, ça commence. Il y a des hurlements. J'ai pas entendu, j'ai faim. De mon côté. J'ai soif. Il y a des cris. Ça gaffe, ça que t'as toujours une personne sur deux, tu sais, qu'entend, et l'autre elle entend rien. Mais oui. Les cris, ils venaient d'en face. D'accord. Étant donné qu'il y a le piège juste en face. En face où je regarde? Ouais. D'accord. Bah là où il y a l'habitation, quoi, ta structure à toi. On fait ce qu'on longe de mon côté. Là où j'ai fait mes trucs de garde. Reviens, nom d'un chien! Attends, bah c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait? Oui, non. Alors non, on y va en longeant. On longe. Mais je longe! Garde. Je longe. On va descendre. Oh, l'écureuil! Ah, c'est con. On peut descendre. Attends. C'est ici. Ouais, attends, on va regarder comment on descend. Mais on descend comme ça. Là, regarde. Où je suis? Non. Attention. Voilà. Attends, faut pas qu'on nous perde notre chemin. Hein. Non. Mais de toute façon, il y a le logo. Ah, suis-moi. Ah bon, bah voilà. Yeah. Et ouais, attention qu'il n'y ait pas de grotte quand même. Hein. Tu crois? T'as plus la zone avec une grotte, hein. On peut s'en aller! Mais bon, on l'a trouvé, Bart, ouais! Oh, la corde, prends-la! Allez! On navigue! On va le droit pousser. Droit devant! Ça arrive. Non, si ça part en mistouquette, on se barre en courant. On a du bois de partout, c'est un bateau en bois. Réfléchis. Pas du tout un bateau en bois. Enfin, le dessus, oui, mais après, je sais pas. Bah si, c'est du bois. Je peux prendre une petite douche? Ouais, on la prendra après. Voilà, c'est bon. Bah, c'est par là, d'accord. Viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Cours, ça hurle, suis-moi. Je peux plus courir, Lisa, je vais être dans la merde. Est-ce que tu veux, je viens vers toi ou pas? Mais j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Comme tu veux, comme tu le sens. Il y a des cris, hurlements. Laura, arrête! T'as entendu? Ça a hurlé. Non, j'ai pas. Je m'en vais. Non, je monte sur un rocher, j'ai trop peur. Ça hurle encore. Ok, bah j'arrive. Hein. T'es où? Encore des hurlements. Toujours droit vers le rocher. Ah, ça y est, il hurle en boucle, ça commence. Voilà. Quand tu descends, je suis... Vas-y, monte, moi je te rejoins. Vas-y, c'est bon, j'arrive. Voilà, on se rejoint, on est là. Et on... Tu veux qu'on rentre? Ouais, attends. J'ai pas de quoi courir, va falloir que tu me protèges. Ok, bah, je te surveille. T'es où? Je rentre. Ok, merci pour moi. Ah là, t'as entendu? Oui. On va rentrer. Je peux plus courir, Lisa. T'es où? Là. Ok, je te surveille. Je suis là. Je vais essayer de passer par-dessus. Oh, derrière nous, vite! Rentre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quoi? Il était derrière nous. Donc il va charger chez nous? Je sais pas. Viens, monte dans la cabane. Laquelle?
Celle-là ? La principale, la grosse qu'on avait fait la toute première. Vas-y, je me fais à bouffer, tu vas voir maintenant que j'ai buté Bambi là. Je vais remonter mon énergie, mon saligo. Tu l'as... Il était derrière nous ? Oui. C'est pour ça qu'il y avait les cris comme ça. Vas-y, tu veux manger. Il a mis un totem ? Il a mis un totem ? Oui. L'enfoiré. Juste devant, il est plus là ? Sinon, j'y vais, je l'enlève. Dégagé, donc je. Attends, j'entends rien. Mais j'ai pas une vue dégagée. Là, elle est cuite, elle va cramer. J'arrive. Quoi les cris que j'entends ? T'as entendu combien de cris ? Un ou deux. Mais le même, ça venait. J'avais moi, l'impression. C'était... Je savais qu'il était pas long, vu les hurlements que j'entendais. Juste pas à côté d'une autre base. Il était où, genre, par rapport à la base ? Vas-y, mange. Mais juste à côté. Tu sais qu'il est le totem ? Là. Tu le vois ? Il est où ? Il est okay. Juste en face de moi. Bugué. Ah ouais ? Il est bugué. Je vais le tuer ? Ouais. Ah, il est plus bugué. Vas-y, viens. Viens, mon salaud. Ah ! Vas-y, on charge. D'accord. Il est barré. Recule, recule. Pète le totem. Bon, allez. On va se laisser ici. Oui. Allez. À plus tard. Salut.